Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où j'ouvre vos cadeaux. Et ça tombe bien puisqu'on reçoit une petite salutation d'Amelia Lovamor. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup pour ta salutation. Parce que en fait elle a quelque chose sur elle qui fait que normalement j'ouvre ses cadeaux. Vous allez voir, on va tout de suite dans le profil. Oh merci encore. Ah bon, d'accord. Oh non, c'est la cinquième. Non, mais t'es sérieuse. Elle m'a envoyé 6 salutations. Merci beaucoup. Oui, est-ce que j'étais connectée? Des fois, je suis connectée sur MSP. Et vous me voyez connectée, mais je fais rien en fait. Je suis juste connectée en fait. Du coup, je pense qu'elle m'a envoyé ça il y a un petit moment et que j'ai à peine de le remarquer. Enfin bref, aujourd'hui, nous aurons les cadeaux des personnes qui portent des lunettes. Et voici Licorne, première candidate d'ouverture de cadeaux. Et Lalo va encore m'aimer comme d'habitude. Donc ça va, là c'est pas trop compliqué. Normalement je devrais pas trop en rater. On va pas dire que je suis daltonienne. En tout cas j'espère. Et ici nous avons... Voilà, un rare pour la... Oh un rare, attendez. Ah, oui, c'est joli comme couleur. Eh ben merci. Merci pour le rare. Et en plus, ouais ça va, la couleur elle est sympa. Moi j'aime beaucoup la couleur. Attendez, parce que est-ce qu'on compte... Attendez. Est-ce qu'on compte les personnes qui portent des lunettes? Bah oui, parce que finalement, elles portent des lunettes. Pas sur le nez, mais sur la tête. Mais elles portent des lunettes, donc on va quand même ouvrir son cadeau. Enfin, ses cadeaux, puisqu'on a plusieurs. Oh, c'est Marc Vergo. Vergo, c'est celui de la Vierge, non? Je suis pas sûre. Ou de la Balance, j'en sais rien. C'est un truc rien à voir, la Balance, la Vierge, mais bon. En tout cas, merci beaucoup à toi pour tes cadeaux. Et merci d'ailleurs à tout le monde. Et là, pareil, elle a les lunettes. Par contre, les lunettes sur la tête, je risque d'en rater parce que c'est... Faut les voir aussi, hein. Faut les voir les lunettes sur la tête. Je vais peut-être faire un peu plus attention. Et là, ah bah, y a pas mal de gens qui portent des lunettes. Ça fait plaisir. Même moi, je porte des lunettes, en vrai. On va ouvrir les cadeaux d'Ashley. Et c'est fini, hein, Noël, hein. C'est fini. Alors, ici, non, il n'y a rien. Non plus. Ici, nous avons Clara Minette. Avec une jolie petite... Pour moi, ça ira mieux avec les chaussures que des jeans. Là c'est bon, ici... Oh, il est super beau le haut là, en plus il est jaune. Oh non, j'ai un peine de le mettre, je l'enlève déjà. Mais voilà, c'est comme ça, c'est le but du jeu, on ouvre les cadeaux, on les porte. Ah, il y a du délétète d'user ici. Ah bah mince, dommage, en plus il n'y a pas longtemps j'avais fait une vidéo délétète d'user. Ici, non. Parce que c'est vrai que vous m'avez demandé assez souvent hein, d'ouvrir les cadeaux des personnes qui portent des lunettes et ça fait un petit moment. Bon d'ailleurs c'est pas le seul, hein. Comme d'habitude n'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires les cadeaux que vous, enfin quel type de cadeau vous voudriez que l'on ouvre pour une prochaine vidéo. Voilà, donc même si vous l'avez déjà fait dans une vidéo plus ancienne mais que l'idée n'a toujours pas été faite, vous pouvez bien sûr réitérer votre demande dans les commentaires. J'ai l'impression d'avoir parlé comme Macron là. Veuillez réitérer votre demande. Ah, la quinzaine. Hop. Oh, bah des lunettes. En parlant de lunettes. En tout cas, j'ai un look. Oh, ça ira bien avec le haut. J'ai un look de malade. Franchement, il est pas mal, hein. Bon, après, c'est vrai que le haut, le bas, plus ça, plus le tatouage, ça, et le sac, franchement, ça passe. C'est juste la tête qui passe pas. Le bas, ça va encore. Bon, il y a du travail, mais ça va. Alors, ici, non, il n'y a pas de lunettes. Ne m'engueulez pas si je rate des lunettes, hein. Mais comme d'hab, mettez la timeline en dessous dans le commentaire si j'ai raté des lunettes. Alors, ici. Ah bah dis donc, c'est un look explosif ça. Impression d'être une rockstar, il manquerait plus que la guitare. Oh. Ça c'est beau aussi. Ça c'est sympathique. C'est trop chou. En plus, il y a petit chat, au même moment, il a sauté sur la table. Des lunettes. En lunettes, il serait temps peut-être que moi j'aille me refaire des lunettes quoi. Oh là là, pour ceux qui datent un petit peu sur ma chaîne et... Ouh, trop bien.
Vous devez vous rappeler hein, de ces fameuses lunettes roses que je portais souvent à une époque. Hein, parce que mon chien les a mangées. Et en fait, c'était vraiment des lunettes de vue. Hein. C'était pas, je mettais pas mes lunettes roses pour le swag et tout. Tu vois, c'était vraiment mes lunettes de vue normalement. Parce que je suis. Je vois pas très très bien de loin en fait. Je vois bien de près. Mais de loin, je vois pas. Et j'ai une petite myopie. Et du coup, ben, mon chien a mangé mes lunettes. Attendez, parce que, attendez. Je les ai presque pas vues. Voilà, en parlant de lunettes. Hein. Voilà, des lunettes. Mais j'adore, en vrai, les lunettes là, elles sont trop belles. Et du coup, il serait temps peut-être pour moi aussi, 6 mois plus tard, de me faire les lunettes. Parce que je dis 6 mois, mais c'est genre vraiment 6 mois, voire même plus de 6 mois que j'ai plus de lunettes en fait. Oh mon dieu, c'est catastrophe. Oh, c'est bien le look là, il passe hein, avec le jeans, enfin la jupe en jeans, les bottes, le haut. Ça passe crème. Oh là là. Si vous êtes arrivé à ce moment de la vidéo, n'hésitez pas à mettre dans le chat rip lunettes roses. Hein. Comme ça, je vous reconnaîtrai. Et là, non. Ici. J'ai presque pas vu cela non plus. Trop belle la coupe. Trop belle. Ah d'ailleurs, je vois aussi les drapeaux de la France sur certains visages. J'ai envie de te dire, moi j'ai regardé la Pologne, c'était quand hier ou avant-hier, je ne sais plus. La Pologne a perdu, ça fait plaisir. Je crois que c'était 2-1 pour le Sénégal. Donc bien joué à vous les Sénégalais, hein. Mais la Pologne a perdu, hashtag tristesse. Mais bon, tant pis. On va dire que la Pologne a mal joué et que le Sénégal méritait de gagner, donc voilà. Déçu sans être déçu en fait, ils avaient qu'à mieux jouer. La fille, c'est qui positive à la fin. Oh, sympa le look aussi. Oh, ça c'est pas mal, avec les bottes qui vont par-dessus, ça fait bien, j'aime beaucoup. En vrai, je bouge plus le look d'en bas en fait, il est tellement bien. C'est juste la tête maintenant. Et ben on aura quand même touché le look. Ça aura pas duré longtemps. Ici. Mais bon, au niveau de la France, pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. Donc voilà, je vais pas... Hein. Je vais pas trop pleurer, au moins la France, elle s'en sort mieux que la Pologne. Mais bon, j'aurais bien aimé que les deux s'en sortent bien, comme ça à la fin, ça serait une finale France-Pologne. Je serais sortie gagnante, quoi, peu importe qui gagnait. J'aurais été gagnante, et là, du coup, bah, c'est un petit peu mal parti. Et ça fait plaisir parce qu'on voit des équipes cette année qui, normalement, s'en sortaient pas souvent ou voire n'étaient même pas sélectionnées dans les années précédentes, qui cette année s'en sortent super bien. Hein, hashtag la Russie. Qui est plutôt pas mal hein, cette année, hein, franchement, la Russie. Elle s'en sort bien. Un peu trop bien même, je dirais. Hein. Bon, en même temps, la coupe, elle se déroule en Russie, se sont sortis les doigts des fesses, quoi. Y a Poutine qui les regarde, du coup, voilà quoi. Ils y vont à vous, quoi. Oh mon dieu, ce look, je suis prête pour un carnaval, là. Ça, je crois, il me semble que les fleurs, là, elles sont pas rares. Par hasard. En tout cas, encore une fois, merci pour les cadeaux. Merci beaucoup. C'est tous les cadeaux et je suis désolée encore une fois à tous les cadeaux que je n'ouvrirai pas, mais vous inquiétez pas, tôt ou tard, j'ouvrirai vos cadeaux. Hein. Oui, mieux tard que jamais, comme on dit. Oula, elles sont trop cheloues ces chaussures. Elles sont trop bizarres. Elles sont belles portées, mais vues comme ça, elles sont bizarres. Elles sont très cheloues. Je sais pas d'où elles viennent ces chaussures. Ici aussi, bah, y a franchement. Il y aura eu beaucoup de cadeaux ouverts pendant cette vidéo comparé aux autres vidéos, vraiment. Elles sont sympas ces chaussures aussi. Parce que là, franchement, beaucoup de personnes portent des lunettes ou les portent sur la tête aussi. Ah, ici, cadeau de garçon. Ça, on avait déjà fait aussi, genre les cadeaux des garçons. On n'avait pas eu beaucoup de cadeaux ouverts. Hein. En même temps, il y a très peu de garçons comparés aux filles. Il doit y avoir, allez, je dirais, sur 10, il y aurait un garçon et 9 filles. Donc c'est normal aussi. C'est normal.
et sur ma chaîne, je crois, niveau statistique. Après, bon, forcément, les statistiques sont erronées parce qu'il n'y a pas tout le monde qui met forcément les bonnes valeurs aux questions. Vous ne mettez pas forcément votre vrai âge, votre vrai genre ou votre vrai prénom, etc., etc. Du coup, c'est un petit peu faussé. Mais statistiquement, il y a 84% de filles pour 16% de garçons la dernière fois que j'ai regardé. Donc voilà, aussi il y a beaucoup plus de filles que de garçons sur la chaîne, donc les garçons, manifestez-vous, vous êtes où? En même temps, bon, ouais, je peux comprendre. Alors, ici nous avons encore des petits cadeaux. Oh, merci aussi pour les petits messages, les petits messages tout mignons que vous me laissez. Ah oui, ça c'est les messages, et des fois il y a des personnes qui m'ont demandé mais comment on fait pour laisser un message quand on offre un cadeau. Oh merci Galoulou pour la salutation, je te fais un très très gros bisou, merci, habillé tout en panda, c'est trop mignon. Merci beaucoup pour ta salutation, là tu vas te dire, ah là elle fait une vidéo, j'ouvre vos cadeaux, hein. Vu le look qu'elle a, elle doit sûrement être en train de faire une vidéo. Hein. comme tu disais, ouais, les messages, vous pouvez mettre un message avec votre cadeau uniquement sur la version mobile du jeu. Vous pouvez pas faire ça sur le PC, vous pouvez pas envoyer un cadeau sur PC avec un message. D'ailleurs, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas cette fonctionnalité sur PC. Ce serait... Oh, Delta d'user. Oh, elle est surprise elle aussi. Oh, Delta d'user, bonjour. Mais ouais, non, c'est dommage, il devrait rajouter la fonctionnalité pour mettre... Oh, elle a un visage, j'aime bien ce visage, on dirait une poupée. Elle a trop une poupée. On va essayer d'ouvrir allez encore une page après celle-ci jusqu'à qu'on trouve quelqu'un à lunettes. On va aller voir ça. Ah bah ici voilà, donc ce sera le dernier cadeau de Chloé pour ma youtubeuse préférée. Merci. Bah écoutez, agréablement surprise, ça va, le look se finit pas pire que d'autres fois, hein, pas mieux non plus des fois, mais ça va, franchement, le look, il passe quand même pas mal. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez que l'on ouvre comme cadeau pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, si j'ai raté des cadeaux, mettez la timeline et le moment où j'ai oublié un ou plusieurs cadeaux. Hein. J'espère que j'en ai pas oublié. Je crois que jusqu'à maintenant, j'ai fait qu'une seule vidéo dans laquelle j'avais vraiment fait zéro faute. Je me rappelle plus c'était quoi l'intitulé, bref. On s'en fout en fait. Eh bien, sur ce, moi je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain live. Ciao, ciao!